Eh bien, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Casu Gaming, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, évidemment, sur Honkai Star Rail. Et oui, on est le jour J, donc le 17 avril 2024, et aujourd'hui, il s'agit de la vidéo invocation sur mon compte principal, sur Jingyu, la revanche, pour essayer d'avoir ce personnage, puisque j'ai déjà essayé de l'avoir en off, donc hors vidéo, donc sans sa bannière, mais je ne l'ai pas eu. Et cette fois-ci, on va faire une petite revanche. On est à 12 de pitié. Évidemment, il y aura un code donc que vous pouvez rentrer. Le code sera en description, que vous pouvez rentrer sur HSR Gift, bien par échappée, donc code promotionnel. Voilà, donc je suis à 12 de pitié. J'ai 3000 primos de prêt. Dispo pour invoquer Jingyu. Donc 12 pitié. J'ai la garantie en tant que personnage 4 étoiles. Donc vous allez voir quand la bannière va apparaître. J'ai la justice de Serval. Et l'objectif, en même temps que d'avoir Jingyu en un seul exemplaire évidemment, ce sera d'avoir la justice de Lynx, puisque également elle est E1. E5, et c'est Lucas, pardon, donc qui est E1. Donc là, on va se faire une multi. Bien évidemment, ces invocations, donc j'ai pu un petit peu en économiser après avoir eu Acheron. Donc je suis en garantie sur le personnage. Voilà, donc il y aura évidemment un guide du perso. Donc une fois que j'aurai, pour être au courant de ce guide, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, oui, ainsi qu'activer la cloche. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur qui vous avez invoqué. Donc, est-ce que vous avez invoqué sur Venturine ou bien sur Jingyu? On va se faire une multi sur Jingyu pour passer à 22. Aussi, ce qui va être plutôt pas mal, c'est que la semaine prochaine, on va avoir une multi gratuite. Ça, c'est plutôt cool pour l'anniversaire. Alors. Voilà, donc on a... Bon, si le ticket bug un petit peu, c'est qu'il va y avoir le 5 étoiles. Bon, allez, hop. Ou sinon, c'est que ça va être un 4 étoiles. Et ça va être obligatoirement personnel. Ah, évidemment, la musique que j'ai entendue, bon, moi de mon côté, ça bug évidemment. Ouais, elle était pas super forte, la musique. C'est bien ce que je me disais. Voilà, donc on va avoir un 4 étoiles. Espérons que ce soit Lynx. Ou 2 4 étoiles, évidemment. Ou bien 3, soyons fous. Alors, bon, évidemment, c'est du violet. Donc, comme je vous ai dit, c'est du 4 étoiles. Alors, on a... Ok. Let's go! Donc, on a la U6 de Lynx. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, on a un autre 4 étoiles. Donc le prochain 4 étoiles que je vais avoir, ce sera garanti. Donc on a l'arme de Sampo, ce qui est pas mal. Ok, donc on est à 22. On passe à 23. Le prochain 4 étoiles, ça sera encore une fois garanti. 24. Et 25. Ok, donc on a une invoque gratuite. J'ai 6, vu que j'ai E6 Serval. Okay. 28.
Ok, donc 30. En 30. Et on a des vœux gratos, évidemment. Ah, deux vœux gratos. Ok. Bon, on va espérer avoir quand même la petite Jingyu. Même si sérieusement, je n'y crois point. Bon, ça bug un petit peu, mais voilà. Ouais, je les ai achetés. Hop. 31. 31. 31. Voilà, 31. Et 32. Oh. Attends. Est-ce qu'il y a moyen... je crois que c'est 8, ouais, que j'ai récupéré. Oh, nice. 33. Pour l'instant, on n'a pas eu de chance, mais c'est pas grave. Bon, je vais continuer évidemment donc d'invoquer en off aussi, comme j'ai dit précédemment. On va voir donc la suite la semaine prochaine, ce qui va quand même bien faire plaisir. Et voilà, j'espère que vos sessions d'invocation se sont mieux passées que les miennes. Donc après, honnêtement, jusqu'à la fin de la bannière, je sais pas si je vais pouvoir voir Jingyu. Après, c'est pas grave. Donc, si jamais j'ai pas le personnage, à la place de Jingyu, je vous ferai un guide sur Pella. Là faudrait que commence à monter ce personnage là pour faire de meilleures teams avec Acheron, évidemment, pour pouvoir un petit peu booster mon compte, même si mon compte il a quand même été boosté avec cette tour. Et voilà. Alors, en tout cas, cette vidéo vous aura plu, et sur ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai réussi à avoir la E6 de notre petite Lynx. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos sur la chaîne, évidemment, où on regardera donc le pré-guide d'Arlecchino, et également donc il y aura donc la prochaine session d'invocation. Ce sera également sur cette chaîne, et ce sera donc pour le personnage Arlecchino. Et donc entre-temps, donc je vous ferai de petites vidéos sur Ankh-Israël et sur Genshin Impact. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye!